Yeah, to my knowledge, this is the first time that an exhibition like this has been put together at FIAC or any other art fair. It was a very interesting idea because it gives a historical context to things that are happening in the fair in general. So you can come here and see modern masters, the history of the beginning of the 20th century, and then you go into the fair to see the 20th and 21st century. Paris has not been a very interesting market in the last 10 or 15 years. It used to be very interesting. It looks like it's becoming more active. There are younger collectors now. There's a new group coming up. And I think it bodes well for Paris. And I think everyone would rather be in Paris for an art fair than in London. It's taken 20 years for a new group of collectors to evolve here. But it looks very promising. I'm glad it's growing up. Une œuvre de Philippe Parrainot. C'est un faux arbre de Noël parce que c'est une sculpture. Alors, il est un monument pour le temps. C'est une artiste jeune allemande qui s'appelle Ulla von Brandenburg. Ils sont des vêtements d'acteurs du début du XXe siècle. Je pense qu'en Europe, il y a beaucoup de marchés, plus qu'en Angleterre. Faire la FIAC maintenant, c'est mieux que faire Frieze. Je vois ici qu'il y a beaucoup de mouvements et je suis très contente pour la foire. Aussi, le Grand Palais est tellement beau. L'artiste, dans quelques temps, va s'inspirer de ses desserts pour faire des œuvres. Mais aujourd'hui, c'est vraiment annonciateur des futures œuvres de l'artiste. Je vais préparer un cocktail qui s'intitule « Paris est toujours une fête ». C'est un clin d'œil à Hemingway, puisque je vais vous servir les deux passions d'Ernest Hemingway, le mojito et le cigare cubain, dans un seul verre. C'est un deux en un. Donc, je fais mariner un cigare cubain dans une bouteille de rhum cubain. Et suite à ça, je vais vous faire le mojito classique, mais qui sera détourné donc, pour avoir une sorte de double effet à la fois boire-tu et fumer-tu. C'est un diptyque donc qui marche comme une petite narration, comme une boucle entre deux. Donc il y a ces deux personnes qui sont dans un salon à table avec une tête de porc. Et ces deux personnes, quand ils soulèvent la nappe, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment dans un salon, mais dans un entre-deux entre les tables et le salon. Ça s'appelle Circe's Dinner, d'après la déesse Circe. Le mot cracking vient de la transformation de la molécule naturelle en molécule artificielle. Le suricate, c'est un animal qui est en colère. Il est en colère sur la façon dont on traite la nature, parce qu'elle lui appartient. Il en est aussi propriétaire, donc ça ne lui plaît pas. Ça, c'est un travail collectif. Voilà. Ils le font en réflexion, ils le font tous ensemble, et après une réflexion, il y a un animal qui sort avec une explication pourquoi ils ont décidé de le faire. C'est dans le bassin du jardin des Tuileries où sont les petits voiliers pour les enfants où j'ai ajouté des petites navettes de police télécommandées. Donc en fait les enfants ont le droit, peuvent louer au choix les voiliers ou les bateaux de police. Donc ils peuvent ainsi se livrer un contrôle du plan d'eau un peu de manière à le sécuriser, à s'assurer qu'il n'y ait pas de délit, de migration indue. Thank you.